Ça, c'est l'aréna que aussi j'ai grandi, c'est que j'allais faire du patinage libre. J'ai joué mon hockey mineur quand j'étais bibitte, novice. Et puis quand j'ai tombé à Tombes, là, ça a été plus organisé. C'était plus... fallait que j'aille à la Chine, dans l'autre ville. Je passais beaucoup de temps dans l'aréna. Je shootais des rondelles à l'extérieur de la patinoire quand j'avais rien à faire. Puis on jouait avec mes amis. On faisait une game de hockey à côté de la porte de la Zamboni. Puis ils ont décidé, après que j'ai gagné ma première coupe avec Détroit en 97, de nommer l'aréna Martin-Lapointe. Et là, je leur ai dit, c'est un grand honneur, c'est flatteur au bout, mais je dis, d'habitude, ils ne sont pas décédés, les gens là, qui se donnent des noms à des arénas. Fait qu'ils disent, non, ils n'ont une coupe qui sont encore vivants. Fait que je dis, ouais, c'est un grand honneur. À un moment donné, je jouais contre Washington, puis Chris Simon, il dit, Martin, on pratiquait ton aréna, là, mais les chambres là, sont petites, puis tu devrais agrandir les douches. Là, c'est pas. Je disais, the name is only on the wall. L'aréna ne m'appartient pas, puis c'est que j'ai prêté mon nom. Donc, mais c'était drôle en ce moment-là.